s'appelle Virasai, on est un groupe de potes. C'est un groupe qu'on a monté il y a, à la base il y a 2 ans, on était tous les 3, on voulait monter un truc. On a fait une soirée, on a dit il faudrait qu'on monte un truc, on a fait 2-3 répètes à 3. Bon, à la base on a fondé le groupe en écoutant les groupes en commun, style bon, La Dispute qui nous influence beaucoup, Daitro. On est parti dans l'idée de se faire un groupe screamo et puis ambiance bon screamo américaine aussi, puis plein de trucs comme on disait tout à l'heure. On se retrouve sur des groupes de rock, même sur les trucs rock et tout, ça c'est cool quoi. Ça fait un mélange entre des trucs assez énergiques et des passages plus calmes, mélodiques, post-rock. C'est une super initiative parce que c'est un style de musique où c'est difficile de jouer devant le grand public quoi. C'est plutôt des concerts où il y a des habitués qui viennent et surtout sur Perpignan en fait, vu que ce style n'est pas trop développé, c'est assez galère et là c'est cool de pouvoir jouer devant des gens qui ne s'attendent pas du tout à ce style et qui pourraient le kiffer même si ils n'y seraient pas allés de leur propre chef. Ça leur donne accès à ce genre de son. Et c'est cool qu'il y ait cet événement quoi, qui fasse découvrir des groupes. Voilà, donc on remercie vraiment le Fly Artist parce que c'est super cool de jouer ici. Dans une ville comme Perpignan, c'est bien de montrer des styles comme ça qui ne sont pas du tout montrés. Ouais. Enfin, vraiment. Ouais, il y a d'autres villes où c'est. La scène alternative c'est possible de jouer dans des bars comme ça avec n'importe quel style de musique. Et ici, c'est un peu plus chaud. C'est quoi. Cool du coup que ça se fasse parce que ça permettra de faire peut-être un peu évoluer les choses. Et c'est... Ah, il a bien fait chaud, on a bien et transpiré, ça l'a fait, quoi. C'était cool. Carrément. Voilà. Là, c'est notre troisième concert. On a fait un concert à l'Ubu. Un bar qui est en centre-ville aussi. Il fait pas mal bouger aussi d'ailleurs, au passage. Et on a fait un concert, c'était quand la semaine dernière à Angeles. Voilà. Et c'est un projet assez récent, donc ça a quand même c'est les premiers concerts. Un an et demi, 2 ans peut-être. Un an et demi, ouais. Non, vraiment la formation de maintenant, ça fait un an. Ouais. Ouais, si vous voulez écouter quelque chose, il y a sur le Facebook, facebook.com/virasaiband. Donc en fait, ouais, pour l'instant, on est surtout sur ça. On verra après. Il y a deux morceaux en pré-prod. Là, il y a des vidéos qui vont arriver. Et à la rentrée, on compte enregistrer, voilà, dès qu'on aura le temps, chacun, avec les emplois du temps de chacun. Et voilà. Donc